rien, on ne change pas cette équipe. On fait confiance au même 11 qui avait concédé le match nul 0-0. De Mawet. On peut repartir du côté du SL16 avec Ziani. Ziani face à Wink. Ziani, est-ce qu'il va tenter sa frappe? Et ça termine au fond. Le but pour le SL16 et Ilya Ziani qui permet au Standard de se maintenir dans cette Challenger Pro League pour le moment en tout cas. Le coup dur pour les hommes de José Jeunechamp. Et on revoit hein, toute cette équipe de Virton qui s'est arrêtée de jouer, qui a oublié de revenir. Là qui est puni, hein, Ilya Ziani, ben, techniquement, c'est très très à l'aise. Et là, il vient chercher son but. 6e but de la saison pour Ilya Ziani. Il manque de présence, mais surtout une grosse présence liégeoise. Alors le centre pour Anne, la tête et ça passe à côté. Là voilà la première grosse occasion de Virton. Anne qui il s'en veut maintenant. Un petit peu oublié par Noubi. Je vous les oreilles, mais Perscott à la mi-temps, menait 2-0. La tentative et Mathieu et Polo sollicité. Aux abords de la surface, Thibaut Lescoy, tentative. Et la bonne récupération là dans l'entrejeu de Cosiello. Avec Cagé, deuxième poteau, Souleymanane, et le contrôle était mauvais. Oui, c'est là qu'il a perdu du temps parce qu'il y avait une vraie possibilité, oublié au deuxième poteau. Il peut s'en vouloir, hein. Coup sur coup, ces deux occasions. Il n'y avait personne sur lui et c'est le contrôle qui lui fait défaut. Pas marqué dans le jeu. Est-ce qu'une phase arrêtée ne peut pas vous sauver et vous permettre de continuer à rêver avec Albanese et au deuxième poteau et le but, l'égalisation de Virton qui peut y croire. Il reste 10 minutes. Ils ont 10 minutes pour changer la physionomie de cette rencontre. 10 minutes pour continuer à y croire. Le but, ce coup franc. Je vous disais hein, que quand on parvenait pas à marquer dans le jeu, eh bien, est-ce qu'une phase arrêtée ne pourrait pas permettre à Virton de continuer à y croire? Eh bien, la réponse était si. Souleymanane avec Abdallah. Et ça passe, hein. Pour Mabella, la tentative et le poteau. Le poteau pour Virton. Mathieu et Polon et cette équipe du SL16 qui, pour le moment, viennent grâce à ce poteau. Deuxième poteau, Souleymanane. Et non, ça passe à côté. Encore une occasion pour Souleymanane. Ce sera créer des occasions de ballon qui passent devant. Un dernier coup franc qui va donc permettre peut-être au Standard de officialiser son maintien. Et voilà, c'est terminé. Le Standard qui fait match nul et toute la joie du staff du SL16 parce que oui, maintenant c'est officiel.